Puisqu'il faut choisir un monde qu'il faut où il faut revenir, ben sans contrefaçon on va le faire. Hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Rayman Legends. Oui, je suis un peu fou de retenter ça. Je vous avoue. Cacao orchestré, oui cacao. C'est fort en cacao. Alors bon, oui on y croit cette fois. Je teste juste pour dire de tester un peu, hein, mais je peux vous assurer que c'est pas vraiment du tout ce que j'aime. Donc je vais pas le faire beaucoup, hein, mais voilà. Ah mais non, je suis con, c'est pas avec... Ah oui, mais si je comprends les touches de... si je comprends les touches de Crash Bandicoot avec Rayman, ça va le faire. Ah bah non. Parce que là tout va bien, vous voyez, bon, j'essaie vraiment de me concentrer sur tout. Mais c'est assez compliqué de voir correctement. C'est très compliqué de voir ça correctement, je vous avoue, c'est très agaçant, surtout pour moi. Bon, je crois qu'on est arrivé dans un endroit que je n'avais pas réussi. Mais là je vois quasiment rien quoi. Ah non, c'est pas loin. Monsieur Sheffield. Oh là là. C'est dommage hein, franchement c'est vraiment dommage parce que ça partait bien. Bon, en tout cas la musique je ne peux pas. Le seul moment que je peux regarder la musique c'est ça. Ce côté Tom Ayai et Jerry. Oui, Tom Ayai. C'est la version Mayai justement. Oui, c'est le cousin du coup de Mayai l'abeille. le type nous continue ses conneries parce que merde. Allez Jerry, vas-y. Bon là il a plus la gueule de Tom, hein, vous m'excuserez, mais Globox c'est quand même un peu... Bon, Tom aurait vachement morflé quand même, je vous avoue. Je vous avoue, ouais, c'est pas vraiment la... C'est la musique que je préfère le moins là pour l'instant. Ouais. Je n'aime pas vraiment cette musique. Et putain, j'ai pas sauté assez fort. Cet endroit est peut-être le plus compliqué du niveau. Je dis bien peut-être, sauf que je sais pas forcément la suite. Mais arriver jusque-là, vous voyez, c'est déjà pas mal. Bon, le gros inconvénient, c'est de devoir recommencer jusqu'au début, vous voyez. Recommencer depuis le début, et c'est quand même très irritant. Ensuite, c'était quasiment midi. Bon appétit, vu qu'il est midi et que la vidéo de Rayman est également en plus sortie à ce moment-là. Donc bon appétit à vous, bon Rayman à la limite. Et voilà. Que les fails de Globox soient avec vous. Oui, vous voyez que le type il est gentil quand même. Le type souhaite que vous failez, c'est quand même bien. Ouf. Merde, j'ai raté la cage. On s'en fout de la cage, on s'en fout de la cage, le principal c'est de finir le niveau, on s'en branle. Bon, si je fais, je la prendrai, mais si je fais pas, je vais pas recommencer exprès pour la cage, pour les conneries non plus. Ah bah merde, j'ai raté une poignée. J'ai un peu raté une poignée.
Merde! Putain, mais cet endroit, il est chaud patate. Il est chaud patate. C'est chance que vous ne frappez pas jusque maintenant, vous voyez. Frustrant là, je vous avoue, je pensais pas tomber, je pensais que j'étais bien. Mais c'est typiquement le genre de truc que je déteste dans un jeu, vous voyez, c'est... C'est pas grave, c'est pas grave. Le type peut réussir sans en prendre une, hein, mais c'est pas grave. D'accord, j'ai la dernière. Ok. Putain, j'en ai raté deux? Sérieux? Ah ouais. Je pensais pas, moi. Tiens, et là je les prends bien comme il faut quoi, sérieusement c'est frustrant là. Ah mais je l'avais pas l'autre, sérieux? Putain mais celui-là, il y a pas moyen de l'avoir, c'est quand même dingue. Attends, mais ce qui est bizarre c'est que j'avais la dernière, et là j'ai eu celle du milieu, c'est... Ouais. C'est comment? C'est aléatoire? Je sais pas comment ça se fait. J'ai pas tout compris là, je vous avoue. Ouais. Alors vraiment pas compris dans le genre, pas compris. Parce que bon, ça se garde par mémoire, on est d'accord, hein, bah oui, voilà. Et c'est parti mon Globox. Et vous voyez, là j'ai le premier, c'est très bizarre. Ah putain, j'ai raté le saut, j'avais raté le saut. Et là vous voyez, j'ai le troisième alors qu'il y a le deuxième après. C'est... Elle est où la logique? Bon bref, c'est pas ce qui m'importe. Peu m'importe. Allez mon gros, intérêt d'y aller cette fois. Bon là c'est la partie la plus facile. J'aime bien comment Globox court, c'est mignon. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il faut vraiment courir, hein. Je vous le dis, parce que sinon ça pourrait être ton, ça pourrait être mal perçu. Et j'en rate le saut, alors que c'est le genre de chose que je rate jamais, vous voyez. Je l'avais jamais raté, et puis là je rate deux fois de suite, c'est quand même drôle. On a juste raté un ennemi. En raté 5, c'est pas énorme non plus. Hein. Bien, jusque là mon Globox, c'était bon. J'ai dit jusque là. Et vous voyez, et encore une fois, il le sait. C'est quand même dingue. Et la musique commence tellement à m'agacer que j'ai envie de l'arrêter, vous voyez.
Surtout parce que je n'aime pas la musique. Je n'aime pas cette musique, alors vraiment pas. Ah, désolé pour les coups de cordon que vous avez pu avoir dans les oreilles. C'était involontaire. Involontaire en un seul mot, hein, pas involontaire. Ouais. Il y a involontaire et involontaire. Pour le volontaire, là, c'est Globox, mais bon. Et d'où l'intérêt de prendre Globox dans ce niveau. Je vous pose la question, pourquoi prendre Globox dans ce niveau? Parce que un gros truc comme ça, ça se voit sur un écran. Tout simplement. Eh oui, prenez un petit être ou quoi, bah vous ne voyez pas. Ben oui. Ça fait partie des petits détails du quotidien. Qu'il vous faut savoir. Ah, frustrant. Ce passage-là, quoi, sérieusement, c'est... Ah, non. Je n'y crois pas, je commence à avoir faim, donc t'as de grouiller, mon Globox. Putain, je vais mettre le ragoût en route, merde. Le type pense à ça en pleine vidéo. C'est magnifique, je suis prêt à faire un... Ah. Une pause dans ma vidéo pour, voilà, pour aller faire chauffer le ragoût, parce que ça prend énormément de temps pour faire du ragoût. Enfin, je fais du ragoût de carottes, et voilà, le type vous explique aussi également ce qu'il mange ce midi, voilà. Au moins, vous savez que moi, ce midi, c'est du bon ragoût de carottes, du restant de ragoût de carottes, hein, puisqu'il a déjà été mangé en partie, hein, et qu'il est très bon. Ragoût de carottes, pour moi, c'est toute une histoire d'amour. Fail par ragoût. Fail par ragoût, vous voyez. Il y a le fail par ragoût, et le fail par dégoût. Et ben, le mix des deux, ça fait fail par ragoût, vous voyez. Et encore, j'essaie de fermer les yeux pour essayer de le savoir par cœur, mais... Genre de choses que je fais pas, pas d'habitude, c'est pas cool. Allez, mon Globox, vers l'infini et l'au-delà. Comment ça va, vieille branche? Oh, copain, salut. Le pire c'est que vous voyez qu'il y a... Encore j'allais dire, le pire c'est que vous voyez qu'il y a un peu de maîtrise quand même. Ouais, franchement. Le mien c'est... L'art du fail, vous voyez. L'art du fail au bon moment. C'est ça aussi. Eh oui. C'est ça qui fait un bon let's fail, un let's failer. Voilà. C'est l'art du timing. Tout est une question de timing dans ce jeu. Il faut vraiment essayer de sauter au moment. C'est pas ça, je suis en train de me saouler, je vous avoue. Évidemment, il n'y a pas de safe state. C'est logique. Le pire c'est que la musique vous aide, hein, mais bon. Oui, désolé, je me suis un peu reposé les doigts. Allez, mon Globox. Putain, je pensais pas que je passais, c'est pour ça que j'ai pas frappé. Sinon je l'aurais fait, connard. Tu penses quoi? Forcément on gère plutôt bien.
Putain. Alors, je vous avoue, celui-là est en train de me saouler. Est-ce que si je jouais la musique de Tom et Jerry, j'aurais du copyright? Je pense que oui. Bon, jusque-là on est passé, c'est plutôt bien. En fait, la dernière carte me fait surtout chier plus qu'autre chose en fait. Et j'en ai raté une moitié. Ah non, même pas. Yeah! Ouh, encore, je me suis dit, putain, je vais failer, mais non. Ah, putain, j'étais pas loin de la fin, en fait, bordel. Oh, la vache. Alors, ouais, j'espère que j'ai les saisons, parce que sinon, je suis... Oh, putain, vous êtes sérieux? Oh la vache! Non mais allez vous faire foutre hein, j'irai pas jusqu'en haut hein. J'ai mon ticket, moi ça me va hein. J'ai mon ticket de sortie, la petite œuf des morts géants. Le petit œuf des morts géants, bien sûr. Orchestral chaos. Oui, oh là là, oui, youpi. Oh c'est cool, oh c'est trop cool, vraiment, ça c'est sûr. La folie des mariachi vers le Sion 8 bits. Wouhou. Normalement ça devrait être version 18 bits vu que c'est interdit au moins 18 ans ici, mais bon. Oh putain. Oh putain. Quand ça commence comme ça pixelisé, j'ai peur. Ah sympa ça. Ah sympa. Ah non mais c'était mauvais, c'était l'autre bouton, connard. Putain, j'ai raté ma cage. Putain, c'était des mouches. À chaque fois, j'oublie ces mouches à merde. A chaque fois, ces mouches à merde, je les oublie. Sortez les tapettes, hein, sérieux, parce que celles-là, elles vont prendre cher. Ou les grippins. Vous savez, les fameux grippins avec les trucs bleus, là. Voilà, c'est ça. Putain, ça partait super bien, quoi, sérieusement, j'ai eu chier. Bon, hormis les cages que j'avais oubliées, bien sûr, on s'en fout, ça, les cages. Ce qu'il me faut, c'est... 450, c'est ça. Tout va bien.
Putain, mais je faisais autre chose, forcément, moi. Putain, c'est parti super bien, mais je suis frustré. Ça me grattait, comment voulez-vous? Je peux pas me gratter et jouer en même temps, c'est pas possible. Surtout quand vous avez besoin des deux mains pour le clavier. Celui-là, j'arrive jamais, quoi. Allez, c'est parti, on y croit. Oh putain, je croyais pas du tout celui-là. Et forcément, forcément. Je l'ai vu venir parce que je sautais de moins en moins bien. Donc je me suis dit, oh putain, ça va mal finir ça. Ne vous inquiétez pas, celle-là, ça doit être la bonne. Ah bah je vais aller, vous voyez. Nickel. Ah bah merde, je l'ai raté, tiens. En tout cas, Jérémy Fernandez, si tu regardes cette vidéo, tu te vois Thomas rire, parce qu'il y a des fails, hein. Ça, il y a des fails. C'est bon, on a fait le plus dur. J'en ai marre d'avoir ce pile à ce moment-là, à chaque fois, c'est quand même dingue. Alors que j'avais dit, c'était la bonne. C'était de la bonne surtout, oui. Clic-clac mon Globox, hein, clic-clac. Non, pas tu claques. J'avais pas du tout confiance là-dessus à la fin. Oh, on a réussi, si. Oh putain, mais l'autre, mais il était super compliqué, quoi. Et on avait la musique, alors là, on va se repéter la musique. Hein. J'ai mérité mon iced tea pendant que le Globox est en train de faire une marche solitaire. Alors le glouglou. Et le yoyou. Et après le Dragon Slayer. Ah, il nous en reste 3 et après le 700. Ouf, le défi ultime à 700 va être compliqué, je pense. Bon bah nous on va gratter nos DD pendant ce temps-là. Hein. Bon. Une créature, comme c'est génial, merci, bravo, revenez nous voir. Titos. Back to Origins. Yeah, I love that. Le début de la fin. Donc on va aller dans un Back to Origins, hein, forcément. Pour finir un peu cette vidéo en beauté. Allez, glisse mon Globox. J'ai dit glisse mon Globox. Ah, c'était là qu'il fallait... Voilà. C'est bien ça, Globox. C'est bien. Alors, on va voir si on avait récupéré quelque chose en plus, on ne sait jamais. Ah, bah on en a un de plus, c'est deux de plus, oh putain. Eh ben voilà, comme c'est pas beau ça, hein. En avant tut. En avant tut. Alors toi mon gros. Mais... Bah voilà. Quand même, et... Ah, oh. Juste.
Rien que l'ambiance. Ça fait tout. L'ambiance d'un niveau peut parfois tout faire. Aïe aïe, connard! Caché. Pitié fait que c'est le premier. Putain, je me jaumé, hein, c'est sérieux. Ah, ça commence bien, dis donc. Hein. Ah, bravo, PF. Hein. Franchement, niveau découverte des. Aïe. Salaud, va. Niveau découverte des petits êtres, on n'est pas loin. On n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon du tout. Tous les coups. Je pensais qu'il était là. Déçu là pour le coup. Franchement là je suis vraiment déçu, ouais. Je m'attendais à trouver le petit être ici et puis non. Putain mais il est où ce petit être? Attendez, on va, bah, ouais. On va recommencer le niveau, en même temps on est juste au deuxième, à la deuxième progression donc on s'en fout un peu, hein, voilà. Ça fait mal ça mon chien. Valait mieux mourir, valait mieux mourir, c'était prévu. Oh la vache, celui-là on a évité de peu. Mon Globox, comment tu... Oui. Oui, il y a un truc qui me perturbe. Hein, ce petit être est en train de me perturber. Dans le genre vraiment, vous voyez. Oui, parce que je sauve le deuxième et le premier il est introuvable déjà. C'est comment là dans ce cas-là? Ah ou alors c'est celui-là le premier. Ah bah c'est bon. Je cherchais pour rien comme d'hab quoi. Ouais c'est bon j'arrive. Alors ici il y a forcément un secret, c'était prévisible. Là aussi, c'était prévisible. Et voilà comment on passe. Alors, toi mon coco. Attendez, on va déjà s'occuper de ça avant de s'occuper du petit être à gauche. Hein. Touche pas à mon looms. Voilà, touche pas à mon looms. Juste ne touche pas à mon looms. Il ne t'a rien fait le looms, donc ne touche pas. Voilà, tu le touches pas. Tu le touches pas. Oui, 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 moi. Et ça passe tranquille. Free. Alors là, attention, il fallait bien éviter ça, parce que sinon, vous l'auriez eu un poil dans l'os. Salut toi petit être. Sérieusement il n'y a rien par là. Ah, je suis déçu, vraiment déçu. Ah alors ça, si vous l'aviez pas du tout vu venir, moi presque si.
Et on a sauvé pour l'instant tout le monde, je dis bien pour l'instant, parce qu'on sait jamais, voilà, hein, mais bon. Là on est plutôt bon, je vous avoue qu'on est plutôt bon. Ah merde. En espérant qu'on n'oublie rien de grave, non, apparemment on n'aurait rien oublié, je dis bien apparemment. Putain le salaud. Ah c'est frustrant là. Ah pour le coup là c'est très violent. C'est une violence sans nom ce machin. Bon, déjà ça. Attends, bouge pas toi. Et voilà comment on passe. Ah oui, il fallait appuyer sur la touche de vitesse, c'est ça. Allez, mon Globox, c'est bien, maintenant. Maintenant que t'as fait le maximum, t'avances, hein, t'es gentil. Mais t'avances. Ah bah, deuxième passage secret, je suis con aussi, j'avais pas vu, j'ai complètement passé à côté. Alors du coup, les 600 sont dans notre poche, hein, forcément. Attention, et claque. Ah d'accord, ok. Encore je pensais qu'il allait juste se faire exploser, mais non, même pas du tout. Pouf. Ah, c'est bien ce genre de petit puzzle comme ça, c'est cool. 641, et on se frotte les mains parce qu'on a récupéré le deuxième, et c'est pas parce que j'ai froid. Il le fait pas alors que je suis prêt, connard. Oui. Les pauvres types se sont fait exploser. Mais je dois exploser mais je dois exploser les pauvres types, pas être une pauvre type explosé. C'est là qu'est toute la nuance. Le box me fait chier. On les a tous. On les a tous, tous, tous. 706. 706. Tous les coups c'est une Peugeot. Allez vous faites péter les ailes tous encore une fois, allez allez allez. Hey. Et ben voilà comment on va se quitter en grattant des dés. Et en se consolant en disant qu'on a quand même bien avancé ma foi dans cette vidéo. Hein, voilà, donc je vous fais des gros bisous bisous. Voilà, les petits êtres arrivent un par un. Voilà. Bisous bisous. Ah cool, on a en plus débloqué le suivant, c'est bien ça. Ah mais non, mais ça on l'avait déjà. Alors, du coup le Globox qui n'a qu'un œil, on le gratte et on a plein de... Oh putain, bien ça. Alors, bon. Le début de la fin, donc ça c'est fait. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le début de la fin et les autres machins. Voilà. Donc merci à vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye.